Le premier film était sorti en 2017, j'avais trouvé ça ok sans plus, et là la suite arrive à la fin de l'été. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette? Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce du film Baby Boss 2, une affaire de famille. Le tout nouveau film DreamWorks après les Croods 2 qui sortira le 18 août 2021, et comme le premier film, c'est un film d'animation assez familial, où on retrouvera au casting vocal de la VO, Alec Baldwin et James Marsden. Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss, sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté. Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d'un important fonds spéculatif. Mais l'arrivée d'un nouveau Baby Boss avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante est sur le point de rassembler les frères ennemis et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales. Tim et sa femme Carol vivent en banlieue où ils s'occupent du foyer pendant qu'elle fait bouillir la marmite. Ils ont deux enfants, Tabitha, une petite fille de 7 ans, à l'intelligence remarquable, et Tina, leur adorable nouveau-né. Tabitha, première de sa classe dans une école pour surdoués, adule son oncle Ted et rêve de marcher sur ses pas, ce qui inquiète beaucoup Tim, qui craint qu'elle ne passe à côté de son enfance à forcer de travailler si dur. Mais il va découvrir que Tina n'est autre qu'un espion à la solde de Baby Corp. Infiltrée, elle enquête sur l'école de Tabitha et plus spécialement sur son fondateur, le mystérieux docteur Edwin Armstrong. Une découverte qui va réunir les deux frères d'une manière très surprenante et les forcer à réévaluer la définition de la famille et de ses vraies valeurs. J'ai pas spécialement hâte, mais bon, on va découvrir ça quand même tout de suite. Lumière, moteur, ça tournerait, action. Sarah, qu'est-ce que t'avais pensé du premier film, toi? Food. Ouais, bon, t'avais trouvé ça très drôle. Moi, j'avais trouvé ça... ouais, moyen. Très moyen. Moi, en vrai, j'ai trouvé ça sympathique, mais ça se trouve quand même un peu en dessous de la plupart des DreamWorks. Transition souris... Je suis le boss. Nos sommets, on se sent seul. Oncle Ted, tu m'as tellement manqué. Tiens, ma grande. On peut pas tout arranger avec du fric. Bien sûr que si, Tim. T'as pas changé du tout. Excusez-moi, ça m'ennuie de vous interrompre, mais... C'est quoi ce Beans? Je reprends l'affaire de famille. Et maintenant, vous bossez pour moi, les boomers. Les boomers. Est-ce que c'est moi? Baby Corp veut que vous buviez ce lait pour une dernière mission. Tu veux que je redevienne un bébé? Ah merde. Comment je vais faire pour les textos? Rends-moi le biberon, mulet. Le boss est de retour, ma poule. On travaille en solo, ou en tout cas pas avec lui. Il faut qu'on travaille ensemble pour sauver notre affaire de famille. C'est vrai que c'est nettement plus vendeur qu'il soit jeune. Des bébés qui font peur. Me regarde pas. Des bébés tolards. J'aime la colle. Et des bébés ninjas. Yes. Vous me faites quoi là les ninjas? Un boss band? Oh. Ah merde. Tes chaussettes. Tourne à gauche, à gauche. Je vais où la navigation me dit d'aller. Attends, quoi? Le garçon, il a la voix du mec adulte. Merci, navigation. On a réussi. Oui, on a réussi. Je parlais de Précieuse et moi. Oh. Bah. Oh, Burk. D'accord. Donc en fait, quand il se transforme, c'est vraiment pas la voix du gamin du premier film, il garde la voix de quand il est adulte. Bon ben voilà, on vient de voir la bande-annonce, 1 minute 40, c'est pas tellement hypant, je suis moyennement attiré, comme le premier en fait. Le premier, quand je l'ai découvert, bah, c'était en salle de cinéma, et ouais, j'étais moyennement réceptif à la chose, même si je trouvais que la fin était vraiment pas mal. Non, Baby Boss 2 ne m'intéresse pas, mais parce qu'en fait, il y a déjà eu des séries de partout sur Netflix de Baby Boss, j'ai l'impression qu'ils en font trop. Bon après, vous allez me dire, c'est pareil pour les Croods, ils en ont fait des séries de partout, et je me suis pas plein pour les Croods 2. Oui mais Baby Boss, j'ai un peu moins d'attache que les Croods. Voilà, c'est ça le truc. J'ai peur que ce film réunisse un peu trop de blagues boomer versus millennials, vous comprenez un peu? Désolé mais quand je vois Baby Boss en train d'embrasser ce qui semble être un poney, je suis pas trop attiré par le film. Oui, bien entendu, j'irai le voir quand il sortira le 18 août au cinéma, mais ce sera pas l'une des sorties que j'attendrai le plus ce jour-là. Ce jour-là, je serai davantage attiré par exemple par Back North ou Snake Eyes. En tout cas, on verra ce que ça donnera Baby Boss 2 à la fin de l'été, et puis voilà, on se retrouvera dans les salles de cinéma pour le découvrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce? Food. Oui, c'est vrai, on n'a pas réagi à d'autres bandes annonces qui étaient sorties il y a un an, je les avais vues, moi, et en vrai, je suis toujours pas attiré par le film. Toi, t'as l'air un tout petit peu attiré, mais parce que t'as envie de retrouver ce personnage de Baby Boss doublé par le coroner, je comprends tout à fait, voilà.